J'espère que vous allez bien. Nous avons le retour de la grande Léa. Léa. Et du coup, franchement, j'ai vu que vous avez bien aimé la personne. Merci et beaucoup. Puis je me suis dit pourquoi pas la réinviter. Merci beaucoup pour ton invitation. Et vous savez ce qui nous relie, les gars. Tout le monde sait, je crois. Tout le monde sait. Ouais. On est les seuls en fait. Oui. Nous sommes marocaines turques d'origine. Et quoi de mieux que nous tester sur ça, tu vois, en mode. Et encore un truc encore plus précis, quoi, de nos deux pères turcs et de nos deux mères marocaines. Ouais, c'est ça, c'est vraiment en mode... Bref, on va pas aller dans les détails, mais on se ressemble sur beaucoup, beaucoup de points. Et bref, donc là, on va se défier sur notre marocainité, sur notre turcité. Est-ce qu'on est des vrais marocains turcs? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Alors, c'est moi qui ai préparé la vidéo, c'est moi qui est derrière la caméra, donc voilà, bonjour à tous. Salut. Salut, donc je vais leur expliquer les règles, elles sont au courant de absolument rien du tout. Donc c'est pour cela que je vais les piéger des fois, vous allez voir, parfois sur le Maroc et parfois sur la Turquie. Donc je vais expliquer un peu le principe, on va essayer les buzzers. Alors, je vais vous poser des questions. Ouais. Faut buzzer et faut répondre rapidement. Simple. Voilà, donc c'est des questions, là actuellement c'est des questions à 2 points, c'est tout bête. Alors, vous préférez... Attends, est-ce que t'es prête? Non. Il m'a trop pris. Oui, mais stressé, genre. Attendez, calmez-vous, c'est tout bête, là pour l'instant... Moi j'ai peur. Non, c'est je vais simple. Fuir. Pour l'instant c'est très simple. Question tout bête. Ah, on commence direct? Ouais. D'accord. On va buzzer. Attends, je t'explique. Qu'on ait aucune pitié pour l'une et pour l'autre. Vas-y, ok. Tu buzzes, t'y vas. Ok, vas-y. N'aie pas peur. Vas-y. Parce que moi, j'aurais aucune peine. Par contre, y'a pas le droit de, tu vois, de pré-buzzer, tu vois. C'est ah juste, y'a pas le droit de faire ça, tu vois. Ah bon? Ouais, bref. Du coup, question tout bête. Vous préférez le Maroc ou la Turquie? Ouais, mais t'es. C'est déjà. Buzzer, c'est pour répondre. C'est une question à 2 points, c'est pour essayer le buzzer. Mais même moi, je suis horrible. C'est comme si tu dis une chose entre ma mère et mon père. Bah oui, c'est ça. Moi, je peux pas répondre à ça. Ah non, je veux Aymla, c'est chaud. Ok. Alors, ok, j'ai plus simple. Okay. T'es turc ou t'es marocain? Comment ça, t'es turc ou t'es je crois marocain que c'est un siaf, mais ce qu'on préfère aussi. Ou. Ouais, ce que vous préférez. T'es marocain. Ok, t'as perdu 2 points. Hein? Buzz. Non, mais là, c'est pour essayer le buzzer, tu vois. Et moi, vu que je préfère la Turquie dans tous les cas, celui qui répond Turquie. Attends, c'est pour essayer ou c'est le jeu là? C'est pour essayer là, c'est quoi? Elle est perdue. T'as compris, toi? C'est bon, je l'ai testé le buzzer. Mais t'as compris? Du coup, ta réponse? T'es turc du coup. Ok, 2 points. C'est gagné. C'est pour essayer le buzzer. On a testé. Attends, mais j'ai pas mouré. C'est les réponses qu'il veut entendre en fait. Voilà, pour l'instant on teste juste le buzzer. Tu veux entendre. Bah, alors, me il est Yedigun ou Miranda? Yedigun. 2-2. C'est simple. Mais on parle de. Là c'est pas encore commencé le jeu. Je rigole là, en vrai, c'est de l'humour. T'as capté? Putain, j'ai pas encore compris. Moi je l'ai lancé. Mais c'est quoi ces questions? Pommes ou Hawaï? On teste le buzzer. C'est Léa, je crois. Tu préfères Pommes ou Hawaï? Je préfère le Pommes, donc elle a encore 2 points, ça fait 4-2. Ok. Du coup, voilà. Donc là, vous avez compris un peu le principe du jeu. Ok, faut c'est buzzer, bon. Faut répondre. Okay. D'accord. C'est bon, ça marche. Vas-y. Donc là, pour l'instant, il y a 4-2, c'est mignon. Bref, là, je vais vous demander un truc tout à fait contraire à ça. Faut que là, vous me trouvez sur vous un objet qui représente soit la Turquie, soit le Maroc. Tout de suite. Vas-y. Oh, j'ai rien. Mon nez. 5 points. C'est totalement ça. C'est très dur. Du coup, voilà, donc là, ça fait 9 points. Mais le jeu, il n'a pas commencé. Non, il n'a pas commencé. Putain, j'ai pas encore compris. Nous allons passer sur le thème quiz géographie. Donc là, je vous passe. Donc là, on joue. Voilà. Donc là, je vais vous passer des feuilles et va falloir répondre à des questions. Donc je vais vous dire des noms de villes et va falloir les piocher, tu vois. Enfin, les cocher. Qu'est-ce que je suis nulle à ce genre de truc. Attends, on aura des feuilles. Voilà. Il faudra mettre la petite croix. Voilà, exactement. Alors, le défi là actuellement sera de trouver 3 villes en Turquie. J'espère que t'es vraiment. Donc pas je vais vous dire des villes très simples. Attends, il faut les 3 villes d'un coup. Ouais. D'accord. Et après, faut buzzer le plus rapidement possible. Celui qui a gagné. Gagné. Tu sais que là, je suis en train d'hésiter même où est Istanbul, genre. Bon. J'ai triché. Moi aussi. 1. Non, tu n'as pas la carte de la 3. France, là. Je vais vous dire si Ankara, ça ressemble à la France. Oui. 1. Ah, mais merci de nous avoir dit où était Ankara, 2, du coup. 3. Vous allez me trouver Izmir. Ouais. Adana. Ouais. Et Mardin. Je crois que c'est là. Je sais pas. Je sais pas où est-ce qu'elle est la 3e ville. Ok, Fini comme ça, tu... Ok, vas-y. Et c'est quoi? Je vais la mettre dans la côte, là-bas, par là-bas, là, ici. Okay. J'en sais rien. Okay. Attends, t'as... Oui, c'est 3 villes, ouais, alors. C'est... Pff, moi, j'ai archi faux, je suis sûre que alors, c'est absolument pas bon. Tiens, vérifié. C'est moi qui a baisé en première. Ouais, c'est toi qui a baisé en première, donc c'est moi qui regarde en premier. Fais voir ta feuille, s'il te plaît. Tiens, corrige. J'ai mis Adana dans un truc tellement aléatoire. Bah, Adana, on sait que c'est là-bas, alors. Mais oui, alors, mais... Asia, elle a trouvé Izmir. Vraiment? Exact? Ouais. Wouah! Elle a trouvé Mardin. Punaise! Trop chaud! Ça, c'est grâce à Heljai. Ça, c'est grâce c'est à la série. Trop chaud! Ça, c'est grâce à la après, série. Après, Adana, elle s'est trompée. Oui. Ça fait 2 bonnes. Mais il y a de la triche parce que t'as coché une ville, tu vois, au milieu. Moi, c'est tellement aléatoire. Regarde où j'ai mis Adana. Mais quand même, on est à peu près. Je valide le Mardin. D'accord. Ah ouais? Trop c'est bien. Carré.
C'est celui que je savais pas de base. Hein. Parce que c'est celui, tu vois, genre. Mais tu l'as fait, tu sais, entre les deux, je le valide. Puisque je l'ai validé pour Asya, je le valide. T'as coché Mersin au lieu d'Adana. Ok. Tac, tac, tac. Est-ce que t'as trouvé Izmir? Non, t'as pas trouvé Izmir. T'as mis Aridon. Ouais, j'ai. Bon, mais. J'étais trop bas, non? Ok, mon équipe quitte quand même. T'as gagné 2-1. T'es chaud? Attends, mais du coup. Bah, du coup, t'as gagné 5 points. Let's go! Je comprends! T'étais à 9, elle était à 4, je crois, c'était ça, non? C'est ça. Ok. Mais on compte les premiers? Bah oui, c'était pour tester le buzzer, on compte les premiers. Mais je comprends mais ça plus compte, rien. T'inquiète pas. Ça compte, elle a gagné ses. Donc ça fait 9-9. Mais c'est comme si on revient à 0 là. J'aimerais bien que tu non, vois. C'est bon, je boude. Je vais plus jouer. Je vais plus jouer. Donc là, ça fait 9-9. Ok, bon, alors. On va passer à la carte du Maroc. Donc là, on va vous poser des questions sur le Maroc. Je vous le dis d'avance, hein. Me critiquez pas, j'ai plus voyagé en Turquie qu'au Maroc. Donc si vous dites, oh, mais ça, tu connais pas, désolé, genre. J'ai fait les deux, je suis claquée. Sauf que là, le Maroc, j'ai fait plus simple parce que j'avais entendu que vous connaissez pas autant que la Turquie. Ouais, c'est en géographie. C'est pour cela que j'ai fait les régions au Maroc. Donc ça va. C'est pire. Mais genre, il faut nous arranger, Mskine. Des régions, c'est ce que je connais aux régions. 1, 2, 3. Est-ce qu'on y va? Vas-y, go. Vous êtes prêtes? Allez, let's allez, go. Non, pas trop, mais vas-y. Alors, je vais vous demander Dakhla. J'ai pas du tout l'accent. Bon, okay. Je sais pas. Fès. Attends, je réfléchis. Je sais pas, je te jure, je sais pas, c'est dinguerie. Tu sais, c'est le nord, le sud, tout ça. Mais je te jure, ouais, mais où? C'est grand, wesh. Fais comme tu le sens. Tu sais que je vais me faire éteindre. Et Marrakech, c'est très simple. On est tous partis à Marrakech, Menara, c'est. Je saurais même pas le situer. La vie de ma mère, je saurais pas le situer. Ah, c'est arrête de mettre des trucs frontaliers là, mouille-toi un peu. Ah non, je prends pas le risque. Et la vérité, je vais le mettre ici. Je sais pas. Okay. Même Dakhla, je sais même pas où c'est. Tu t'as réussi à trouver toi? T'es un gars chaud. Alors, je vais vous dire. Moi, je sais à peu près. J'ai mis Marrakech, moi. Non, t'abuses. Non, la meuf, t'abuses. Tu as mis dans le désert. En fait, justement, c'est ça qui m'a induit en erreur vu que je l'avais pas en entier. Dans ma tête, là, c'était pas encore le désert, c'était encore plus bas. Ah, tu croyais que c'était la partie interdite. Exactement. Buzzer, c'est qui veut que je regarde ses réponses en premier? C'est toi qui as les trois, de toute façon. Quoi, quoi? C'est toi qui as les trois. Corrige-moi. Donc, Dakhla, c'est faux. C'était encore plus au sud. Ah ouais, autant. Bon, je sais que c'est au bord de l'océan. Elle fait que des frontières, elle est en train de se moquer de nous. Regarde. Oupsie. C'est de la triche. Non, alors, la moi, triche. Je suis littéralement mouillée, genre. Ouais, tu t'es pas mouillée. Non, mais toi, t'abuses sur le mouillage, là. Va dans l'océan, là. Ouais, abuse. Marrakech, t'as trouvé. Ok, bon, ça m'étonne ouais, pas. Ouais, c'était plus haut. Ok. Quoi d'autre? Fesse. Tu t'es trompé, donc t'as que une réponse. Est-ce que c'était vers là, au moins? Non, pas du tout. Quoi? C'était un peu plus au nord. Bref, tiens. Fès, c'est. Mais c'est pas loin de Marrakech, Fès. C'est à 3 heures, je crois. Non, c'est. En fait, c'est entre Oujda et Tanger. Fais voir Léa. Aussi haut? Je suis choquée. Léa, malgré elle, elle a une réponse parce qu'elle a trouvé Dakhla. Malgré elle? Parce que t'as vu, même l'autre, j'ai pas réalisé. Mais je suis trop nulle. Et après. Et moi, je t'ai jugé. En fait, là, il y a 1-1. Donc au final, ça fait que vous prenez 5 points chacun. Donc vous êtes encore. Vas-y, chacun, 9. Allez. Donc ça fait 9 plus 5. 14. Ça fait 14. 14 chacun. Mais c'est ça, Léa, elle est trop forte. C'est en fait, elle croit se tromper, mais à la justice, c'est les gens, là, les fameuses personnes qui disent « Moi, je pense que j'ai 8. Je pense que j'ai 8. » Mais même pas. Et quand tu mets la feuille, 18. Ah bon? Mais là, j'ai mis sans faire exprès, genre. C'est vraiment... Je te jure, c'est vrai. Je suis trop claquée en géographie. Ouh, ça doit être ça, ouais. Ah, je voudrais être ce genre de meuf. Je peux pas. On va passer à... Donc, du coup, on est encore sur le thème de la géographie. Oui. Donc là, il y a 14-14. J'en ai marre, là, la géographie. Pour l'instant, je vous félicite. Vous avez 14-14. Donc là, pour l'instant... Marocaine turque au maximum. Let's go! On est 50-50 là. On est là. Non, on est claqué, mais on est là. On est là. Alors, prochaine étape. Donc là, vous devez reconnaître les différents paysages. Donc là, on va être au Maroc. Petit indice. Et du coup, quand je donne le top départ, vous pouvez cliquer sur le buzzer. Ok. J'ai l'impression que Léa est sans passion. Mais en plus, encore heureux que je l'ai. 2, 3. C'est Léa. Punaise! Agadir, bienvenue chez moi. Agadir, bienvenue chez moi. Il y a 3 paysages à reconnaître. Et attends, qu'est-ce qui est écrit dessus? Tu auras un point en plus. Est-ce que je te le dis en français ou je te le dis en arabe? Non, je vais te le dire. Ah, tu connais les deux, j'en sais rien. T'as des connaissances. Ok, vas-y. Non, c'est le dieu, la patrie et le roi. Parfait. Bravo. Donc t'as gagné 2 points je crois. Donc là t'es à 16. 16-14, ok. Attends, ça se trouve que là je l'aurai pas. Une autre image. Quel est le nom de ce monument là? Bab el Mansour. Bien joué. T'es trop chaud. C'est où? C'est dans quelle ville? Meknès. Bien joué. Donc là elle a gagné les 2 points également. Let's go. Là il y avait... Du coup ça fait 19-19. Et c'est un... Tu m'énerves. Non, c'est bien, ça veut dire que, tu vois, on se tape pas autant là, on se complète. On se complète, disons, voilà, c'est ça. On fait un cerveau à chacune, c'est génial. Et ça colle bien, mais on trouve tout, c'est au moins ça. Est-ce que vous allez reconnaître cette ville au Maroc? Casablanca.
Non. Mais wesh, on dirait Casa. Andia. Je sais pas, j'ai jamais été. Mais ça ressemble tellement. Bon, déjà, c'est dans la côte. Moi, j'ai tout testé. Marti. Non. Wesh. Tanger. Oui. Je m'en fous, je l'ai. Ça fait 21-19. Donc pour l'instant, Asya reprend la tête. Allez, vas-y. Alors, on va passer à la Turquie. Donc là, ça va être tout un autre thème. Et là, va falloir reconnaître la Turquie. Ok. J'espère que toi, Léa, qui vas souvent en Turquie, tu vas quand même faire un effort. J'espère. On passe directement. 1, 2, 3. Punaise, mais gros, tu mets une mosquée. Bah c'est oui. C'est la fausse lune là-bas, là. Ils ont mis un vrai croissant. On connaît au moins. Ouais. On a déjà été? Oui. De Asya, de ce que je sais, oui. Moi, franchement, je peux pas. Je peux pas. Toi qui aimes les lunes, je crois que ça t'a... En fait, je suis ennobilée par la lune. Je sais pas, c'est... J'arrive pas à reconnaître l'endroit. Du coup, vas-y, c'est quoi, déjà? C'était Konya. J'aurais jamais reconnu. Mais le pire, c'est que je passe ma vie là-bas et regarde, j'ai pas reconnu. Voilà. Moi, je suis de Sparta, genre c'est pas loin, mais je suis déjà passée par Konya, mais ça m'a pas marqué, quoi. Je vais vous donner un monument qui est super important. Donc c'est même pas un monument, en vrai c'est un truc de la nature, tu vois. Un truc de la nature. Et c'est super important en Turquie, et même dans la religion c'est un endroit qui est important. Ok, faut qu'on reconnaisse où c'est. Voilà. Faut que vous reconnaissez cette montagne. Alda? Oui. Ah j'allais le dire aussi, mais j'étais pas du tout sûr. Jano. Ouais, j'étais pas tu vois, j'ai pas mis les deux montagnes, j'ai pas mis les deux sommets comme ça, genre c'est pas grillé, tu vois. Mais c'est vrai que là j'ai bégayé, tu vois, mais t'as zoomé, j'ai bégayé. Je te jure, j'aurais dit le mont Fuji. Vraiment, j'y étais pas du tout. T'aurais mis les deux, voilà, je t'aurais dit ouais, peut-être. Ou de plus loin, tu la reconnais. Moi, j'ai dit, parce que c'est la seule que je connais, genre, tu vois. Mais j'ai hésité. Ça doit être ça. On va passer à une autre question. Donc là, c'est un paysage. Oui. C'est un peu de la triche, mais je vais pas dire pourquoi, parce qu'après, c'est vraiment de la triche. Et du coup, bah, je vous la retourne, il faut que... Vous trouvez juste la ville, ok? Ok. On me dit juste la ville. Vas-y. Giresun? Non! Lisez! T'as pas buzzé? Je suis au courant, t'as pas buzzé. Non, t'as pas buzzé. T'es un traître. T'as pas buzzé. Donc, il y avait quoi? Il y avait 21 pour Asya. Après, elle a gagné 2 points grâce à Arda, donc ça fait 23. Toi, t'as 21, donc ça fait 23-21. Mon mec est un traître. Et j'en prie une story time. T'as dit sans pitié. Alors, je vais l'être aussi. Non, mais là, non, mais c'est pas sans pitié, c'est sans. Sans rien, je sais. Non, mais j'ai le seum. Je pense, ça y est, j'ai plus. C'est quoi ça? C'est vrai ou quoi? Non, franchement, non, je m'en fous. Derrière la caméra, de toute façon, on a des images. De toute façon, on a des images. Et les images parlent. Voilà. Filmez toujours. J'en ai fait une de plus pour la Turquie, c'est mon petit plaisir personnel. Oui. Je me suis dit, au cas où Léa n'arrive pas à répondre à des questions. Sauf imprévu. Je vais lui faire une petite passe D à elle aussi, parce que je t'en ai fait une juste avant. Oui. Bah, il y a une petite passe D pour Léa. D'accord. Mais. Si t'es forte, tu peux le trouver, Asya. D'accord, vas-y. 1, 2, 3. Ah, je connais pas. Franchement, non. Alania. Non, t'as pas. Alania. Voilà. C'est le château d'Alania. C'est le château d'Alania. J'ai halluciné, j'ai dit. Merde, ouais. Non. En fait, c'est le château d'Alania. Je l'ai fait 3 fois encore. Mais je sais ce que c'est. Moi, je suis jamais allée en Alania. Je connais Antalya, mais pas Alania, franchement. Oh là là. T'es pas vif, Asya, va les répondre. Mais en fait, ça me stresse. Arrête, tu dis que je te fais pas aider. Mais en fait, ça me stresse. Bon. En fait, tout ça, ça me stresse. Là, pour l'instant. Des fois, ils ont le côté altruiste. Je laisse Léa gagner, en fait. genre, je me dis, Asya, lui fous pas la honte sur ta chaîne. Ça se fait pas, tu vois. N'oubliez pas, elle a dit quoi juste avant que ça commence. Donc là. La passe D pour Léa a marché, donc il y a 23-23. Mais pour l'instant, c'est choquant. Il y en a une qui gagne 2 points, il y en a une qui. 23, du coup. Bah oui. Ouais. Je pensais que t'avais gagné plus, non? Non. C'est carré. Oh, ça me va. Je lui donne, allez hop. C'est bon, ça me va. Du coup, ça fait que bah, pour l'instant, vous êtes égalité. Allez. Alors, du coup, là, on va passer à. On est dans le dernier thème de la géographie. Ouais. Là, je vais vous donner des lettres. Oui. Et vous allez devoir buzzer et trouver le plus rapidement possible la ville, une ville au Maroc, par exemple, qui commence par une lettre, tu vois. Ouah, c'est chaud ça. Genre, par exemple, tu te dis la lettre A au Maroc, une ville qui commence par un A. Agadir. Voilà. Ah bah oui. Ok. Tu buzzes, tu dis Agadir, ok. Ok, d'accord. Voilà, super. Mais moi, ça me stresse, toute rapidité. Moi aussi, regarde, je suis en train de... Je tremble. Allez. Alors, je commence. La ville au Maroc qui commence par B. Non, non, c'est en Tunisie, ça. J'allais dire Barchak. Par B. Pourquoi j'en ai pas? Beni
Imlel. Bien joué. Ah oh, purée, je l'avais pas du tout. Ah ouais, c'est vers Casa, dans cette zone-là. Pas c'est ma zone. Tu touches pas à ma zone. Alors là, il y a 2 points gagnés par zone, Asia. Dans ma zone. J'ai la rêve. Il y a 2 points gagnés par Asia, donc oui, ça fait 25. B, c'est 23. Chaud en vrai. Une ville connue, genre au Maroc, tu sais, en mode B. Belchid. Non, c'est au Maroc, ça. C'est à Casa, c'est pas Casa. Belchid. En fait, tu vois, moi, vers le. Ouais, mais ça compte. C'est une petite ville, ça compte. Ok, non, mais je parle quand même d'une ville connue, genre au Maroc. Bref, on continue. Vas-y. Une ville qui commence par la lettre K. K au Maroc. Casa. Trop chiant. Ça fait K, ouais, Casa. Non, Attends, par lettre K, t'es sûr que ça existe? Les Marocains, ils sont sûrs derrière. Kélitra. Bien joué. Ouais, trop chaud. Moi, je l'avais pas du tout. Mais c'est quoi tes lettres? Ça, bah, c'est il va dire W. Bah, au bout d'un moment, depuis tout à l'heure, je vous fais des trucs faciles. Il faut que ça complique un peu. Je suis claqué. Déjà, je suis nul. Dit-elle, on a le même nombre. 27, oui. 23. Allez. Ok, donc là, il y a 5 points de différence. Asia commence un peu à se démarquer pour l'instant. Ok, vas-y. Une ville qui commence par un I au Maroc. I. Trop facile. Ah, je l'ai. Michel. Bien joué. C'est comme ce qu'il a essayé de me la chuchoter. Je suis trop. Ah ouais. Et là, ouais. C'est un gros truc. C'est vrai ou quoi? Mais de toute façon, j'ai pas compris. Mais de toute façon, t'aurais pu le voir aussi. Mais oui, c'est vrai que le temps que tu comprennes. Ouf. Donc là, il y a 29, oui. 23. 29-23. Ok. Waouh. Maintenant, on va commencer par la Turquie. Donc là, il y aura encore 3 questions sur Allez. Les villes en Turquie, le même principe. Allez, vas-y. Une ville en Turquie qui commence par E. Edirne. Bien joué. Je connais même pas. C'est à la frontière. Ça quand tu rentres en voiture, Edirne. Tu connais la porte? Je suis jamais rentré en voiture. Ok. Ouais, c'est cool. Je suis jamais rentré en voiture, en fait. Là, il y a une ville où tu peux te rattraper en Turquie. Oui. Une ville qui commence par T. Attends, je réfléchis dans le nord. Oh. J'ai besoin. Bien joué. Oh, wow. Bah, tu pouvais l'avoir, mais genre. Complètement. Oh, mais complètement. Mais tu sais, tu cherches des gens. Donc, ça fait 33. Rien, en France, une ville en T, vas-y. On connaît la France, une ville en T. Là, comme ça, là. Tours. Ouais, tu vois, je l'ai pas. Je suis trop claquée. Mais tu vois, faut réfléchir, faut. C'est juste. Alors que tu les connais. Alors, tu connais, genre. On va passer à la dernière ville. T'as dit Tourcoing. Tourcoing. Pour Léa, si elle trouve, c'est 10 points. Pour toi, c'est toujours 2 points. Mskina. Tu l'avantages pas du tout, la pauvre. Mais c'est pas grave. C'est le jeu. Emma, ça veut dire que tu m'avances de ouf. C'est ça. Du coup, ça fait 33, 23 pour l'instant. Allez. Si Léa gagne, elle te rattrape. D'accord. Si tu gagnes, tu. Là, c'est la question subsidiaire, okay. Genre celle qui va. Donc, je vais vous demander en Turquie une ville qui commence par un S. Samsung. Bien joué. Ah, punaise, bien fort. Putain, je vais l'avoir. Samsung, c'est ma zone aussi. C'est ma zone. C'est ta zone. C'est ma zone. Ça fait 33. 33. Et moi j'ai 33. Wow. Bien joué, Léa. Bon, après, franchement, c'est bien rattrapé. C'est mais bien elle est quand même chaud, hein. Je suis vraiment trop nulle. Mais Samson, quoi, t'es déjà allée à Samsung? Non. Elle est forte. Bah, elle est forte. Elle s'est juste dit putain, mon tel, Samsung. Ok. iPhone, voyons. Oui. Du coup, on va passer à un tout autre thème. On va passer à un quiz culinaire. Ouais, oh, j'adore. Il y a la bouffe, je m'appelle. On reviendra juste après, oui. Quand j'ai préparé tout, quand j'ai tout mis, ok. Moment pub, bye. Avant ça, oui. Quand on va commencer, je vais vous mettre des bandeaux, tout ça, etc. Okay. Oula. Ça marche? Oui, j'ai l'impression d'être à l'école. J'ai peur. Du coup, je vous reprends, là, je vais faire la petite préparation. Je vous explique un peu le principe. En gros, je vais faire 2 thés. Il y a un thé en sachet qui ressemble grave à du thé marocain. Et il y a un thé normal, donc du thé marocain que je vais faire actuellement. Je suis en train de préparer tout ça dans la cuisine. Donc voilà. Alors, je vous explique un peu le principe. Ça, c'est le thé en sachet. Et ça, donc du coup, ça va être le vrai thé marocain. Donc là, j'ai ma théière, j'ai mes verres, tout ça. J'ai tout à l'intérieur, j'ai tout préparé. Également, j'ai le thé marocain, le vrai thé marocain. Juste ici. Donc, je vous reprends juste après pour les pranter. Je vais expliquer le concept. Alors là, on aura 2 thés marocains. Donc, on aura le thé marocain que je viens de préparer, comme vous avez pu le voir précédemment. Je l'ai préparé, du coup, dans la cuisine. Donc, on a le vrai thé marocain et le thé comment on appelle ça? En sachet. En sachet, voilà. Donc, je vous ai fourni également des petits bandeaux. Pour dodo. Allez, ciao. Dodo. Donc, je vais vous demander de les mettre. Parfait, je vous remercie. Alors, je vais vous diriger. En vrai, on dort bien avec. En vrai de vrai, là, je commence à me dire pourquoi pas. J'ai envie de dodo, pourquoi pas. Alors, je vais vous demander de goûter. On goûte, mais on dit rien. Et pour l'instant, vous dites rien. D'accord. Attends. Ah, moi, je me dis on goûte, moi j'y vais. 2, 3, vous pouvez goûter. Bismillah. Ok. Ok. Est-ce qu'on peut tout boire?
Ouais. J'ai même pas goûté, vous savez. Franchement, là, il est trop bon. Il est vraiment trop bon, il est trop bon. Okay. Donc voilà, donc là, régalez-vous un peu. Maintenant. J'ai envie de faire un cul sec. Maintenant. C'est chaud, fais attention, ma belle. Maintenant. Je vais récupérer vos verres. Vous allez arrêter d'abuser parce que vous avez gardé de la place. Gardez la place pour l'autre thé. 1, 2, 3, vous pouvez goûter. C'est parti. Ouah, c'est dur. C'est aberrament trop dur. Oh la vache. En fait, les deux sont bons. Non mais, en fait, le goût, il est différent. Tu sens que c'est différent quand même. Oh, c'est... Emla, c'est trop dur, genre. Franchement, dans tous les cas, okay. Tu l'as bien fait. Ok, je crois que j'ai une idée. Moi, j'ai un doute, hein. Attends, je vais regoûter l'autre. Écoutez, là, on était à combien de points? Vous vous en souvenez ou pas? On était à 33-33, je crois. Ouais. Du coup, c'est une question à 5 points. Ouais. Et là, vous deux, vous pouvez gagner les 5 points. D'accord. Bah... Juste, va falloir que vous me dites c'est quelle main. Lequel le faux, lequel le vrai. D'accord. Lequel le faux, lequel le vrai. D'accord. 1, 2, 3. Le vrai. Toi, tu dis le vrai, là, maintenant? Ouais. Moi, j'ai le vrai, ok. Vous avez vos deux mots. Waouh! Attends, dis-moi, on va descendre ça. Dis-moi, Léa, comment t'as fait pour le reconnaître? Moi, j'ai senti l'amertume de la menthe. Genre, tu vois le côté un petit peu... un peu amer, ouais, genre. L'amertume du thé. J'ai été concentrée. Et la langue grèche. Ah, j'ai pas eu cette... Parce qu'il était chinois. Ah, ok. Ouais. Ah, ok. Alors que lui, il était trop doux. Ouais, l'autre, il était... Après, je me suis dit, ce qui pêchait, j'ai bien bu. Mais niveau goût, par contre, terrible. Hein. T'as vu, c'est incroyable. Excellent. Non, mais on peut être fier de nous. Je suis choquée de ce thé, genre. Non, mais c'est choquant. Vous voulez que je vous serve encore du thé? Il y a beaucoup de thé, là. Trop bien. Trop bien. Trop stylé, en tout cas. Ah, j'aime trop. Vraiment, mais. C'est qu'on est des vraies marocaines sur ce point-là. On a l'habitude. Yes. Encore heureux, j'en ai pris un hier soir. Si j'avais mis des trucs, j'aurais eu le seum. Un truc qui aurait pu aussi te induire en erreur, c'est la mousse. Ouais, c'est ça, la couleur. Ouais. On va passer du coup. On continue la vidéo avec un verre de thé. Ouais, mais j'adore. Ça fait un mood. Ouais, j'adore. Voilà, donc je me suis dit, tu sais, quand même, des fois il faut un peu. Voilà. Non, c'est bien, merci beaucoup. Alors on va continuer, donc mettez pas très loin votre bandeau. On va continuer à tester des choses. Vous pouvez garder votre thé, y a pas de souci. Maintenant, on va tester du coup. On va manger des choses, tu vois. Let's go! Ah, ma mère partie! Ah, j'adore! On va craquer! Ok! C'est des produits sûrs pour marocains? Je sais pas. Bah. C'est pas lui qui a fait la vidéo? Bah, apparemment, mais. Sauf s'il travaille avec un genou, mais je suis pas au courant. Ah non! Je suis pas au courant! Bon dodo! Bonne nuit! J'adore ce jeu parce qu'on mange. Et ça? C'est plutôt sympathique. J'adore. Du coup, là, ça va être une dégustation d'une boisson. Une boisson turque? C'est bon, hein! Boisson turque ou boisson marocaine? Là, c'est une boisson turque. D'accord. Okay. Ah, c'est gazeux. On l'entend bien. Je suis pas forte en soda. Tiens. Moi, je suis chaud en soda. Attends, merci, Anja. Okay. Déjà, ça sent le raisin. Un. Ah non. Deux. Trois. T'es sûr que c'est une boisson turque? Allez, c'est parti. J'ai le nom. Moi, je l'ai pas, moi. Moi, j'ai le nom. On dirait du Hawaii, wesh. Non, j'ai le nom. J'ai oublié le nom. Yedigun? Non. Là, vous pouvez gagner vous deux aussi. C'est le même principe que le thé marocain. Donc, vous avez 5 points là. Pour l'instant, vous avez 38-38. Si je te donne la première lettre, en fait, je sais plus c'est quoi le nom. Ouais. Melinda? Non. Si tu me donnes la première lettre, tu l'as. Mais wesh. Ça commence par un C. Ok, tu l'as. Purée, je suis trop forte. Un C? Oui. Attends, faut que je réfléchisse là. Un C, je te donne un indice parce que j'ai beaucoup aidé Léa. Non, ça se fait pas. J'ai beaucoup aidé Léa, je te donne un indice. Le nom d'une mosquée. Chanja. Bien joué. Tu vois, je le savais. Ça fait. J'aurais jamais retenu. Ça fait du coup. 42 chacun. Je le savais, mais je savais plus c'était quoi le nom. Je savais que ça commençait par un C, mais. Bah merci. Merci. Si vous voulez faire la promotion, c'est juste ça. Je le savais. Mais franchement, ça ressemble à du Hawaï. Et le goût, ça ressemble à du Hawaï, hein. Moi, le Hawaï, j'aime pas. Ah, et t'aurais pas aimé. Ouais. J'aurais dit direct non. Du coup, voilà. Est-ce que vous voulez qu'on continue avec une boisson ou Bah oui, vas-y, go. Vas-y, boisson. Ok, boisson. Tant qu'on finisse le verre. Tu l'as fini, machallah. Oui. J'ai faim. J'en mets pas beaucoup, hein. Oh, mais j'ai l'impression qu'elles sont toutes pareilles, les boissons. J'en ai marre. Je peux le dire? Ouais. Cola turca. Bien joué. Mais je suis nulle sur les boissons, ça, je peux pas. Tu l'aurais pas trouvé, tiens? Ben, moi, je goûte plus de coca. Je sais plus à quoi comme goût. J'aurais jamais dîné. Et en gros, bah là, du coup, ça fait que vous avez 42-42, sauf qu'elle prend 5 points. Ça fait 47-42. Ça m'abiche. Non, là, c'était ton thème. C'est fort en géographie, je suis forte en boisson. Voilà, chacun ça. Voilà, c'est de la boisson ou on graille? Encore de la boisson. Ok. On va être ballonné à la fin. Non, mais je vais pas beaucoup. Ouais, tu fais bien. Tu peux mettre beaucoup, t'inquiète. On se croirait pas manger depuis ce matin. Alors, mais j'aime trop la bouffe. J'aime trop la malbouffe. Ouais, le fast food. Ah ouais. Bah d'ailleurs, là, juste avant, on a mangé un kebab. J'ai pris des tacos. Avec un tacos, miam. J'ai envie de rôter. Trop tard. J'ai fait ça. Mais moi, on n'entend pas quand je rôte. Ah, c'est très glamour. J'adore. Ça pue l'élégance. On est là, maquillé, pimpé et tout, bien habillé. Encore dans les boissons turques? Non.
Cette fois-ci, on est sur une boisson marocaine. Boisson marocaine. Je vais vous la donner. D'accord. Vous allez devoir le deviner. D'accord. Ça, c'est 5 points, mais archi facile. Ok. Donc, pour rappel, actuellement, Léa a 47 points, Asia a 45. Attention, Asia, touche pas, j'arrive. Mais je sais déjà ce que c'est. Attends, dis-le pas. Pourquoi moi je sais pas? À l'odeur. Attends, dis-le pas. Eh ben, je sais. Mais de toute façon, vous pouvez gagner vous deux les points. Ok, vas-y. 1, 2, 3, vas-y. De l'ail, Jamila. J'ai pas goûté, mais c'est l'ail biz. Je sais pas, mais j'aime pas. C'est l'ail biz. Quoi? Ah, par contre, là, tu peux pas, t'as pas le droit. T'aimes pas l'ail biz, Jamila? Mais en plus de ça, je suis intolérante au lactose, alors il faudrait éviter. T'es intolérante? Non! Si! Mais ça va, c'est pas une très grosse intolérance. Oh oh! C'est juste, je supporte mal. Mais là, j'ai pris une gorgée. J'ai ok. Capté, ah, excuse-moi. Non, c'est rien. Je peux enlever le bandeau, hein, c'est je bon. Je te l'ai. Enlève-le. Je te l'ai pas dit parce que c'est pas une grosse intolérance, désolé. Mais. Quand même. Bah, finis pas. Du non, coup. Non, je sens. Mais tu connais pas l'ail biz, Jamila? Je connaissais pas du tout. Et t'aimes pas? Non. Les gars. Je te jure, je connais. Là, je vais me vénère. Tu sais, les petits pots et tu. Mais. Ah, si, en fait. C'est un classique. En voyant le truc. Mais en fait, c'est parce que je mange pas. Donc, du coup, j'ai oublié. Mais si, au bout d'un moment. Ah, c'est une tuerie. J'aime trop ça. Du coup, ok. Bah. J'avais oublié le goût carrément d'enfance. Ah, c'est en plus, donc ça fait 47-47. Mm-hmm. À chaque fois. Elle a fini son verre. Miam. Ok, c'était la dernière Miam. Boisson là. Du coup, on va passer sur des petites dégustations. Oui. J'aime bien cette vidéo là. Ah, j'adore. Je commence à réellement aimer le concept. Bon, c'est des gâteaux. Ça s'entend. On est du côté turc ou marocain? Turc. Turc, ok. Oh, je m'y connais pas. Franchement, en fait, je sais pas toi, Léa, mais moi je grignote pas du tout, genre. Tu grignotes toi? De fou. Je sais déjà. Au toucher. Les gâteaux pénètrent. Attends, mais de quoi je suis là? Comment ça se passe déjà? Bon, vas-y, vous pouvez taper un pro si vous voulez. Moi aussi, ça me dit quelque chose. Mais je sais ce que c'est, mais je connais pas le nom. Ma guimauve. Ouais, je connais. Vous connaissez? Ouais, mais c'est les gâteaux Fennel, Galatasaray. Je sais plus c'est quoi le nom. Mais j'ai oublié, je connais et, pas le nom. Léa, je te crois aussi, donc ça fait. Combien? Je crois qu'on était à 52, je crois. 47, je crois. 47, donc là ça fait 52. Ouais. Ah, mais voilà. Oui, c'est une base ce gâteau. C'est un classique. Okay. C'est un ballon de foot là. Vous pouvez ne pas le finir si vous voulez. Eh, t'es pour quelle équipe? Tu m'avais déjà demandé, t'étais fâchée. Ah, bah, me redis pas. Bon, mais dis-le quoi. Galata. Ouais, je t'ai dit, t'allais être fâchée. Ça, par contre, je veux le nom. Okay. Oh, c'est un classique. Ça veut dire, on connaît? Ouais. Y'a pas de ouais, c'est de la guimauve, ok? Ah, c'est bon, je sais. Moi, je connais pas le nom. Ah, je sais. Moi, je connais tu pas. Tu connais le nom? Est-ce que je peux croquer? Oui, je connais. Oui, vous pouvez. D'accord. Albéni? Non. C'est pas des Albéni? Non. Ma mère que si. Mais si. Moi, je connais pas du tout. Vous connaissez pas le nom? Je parle de la marque du gâteau. Moi, je veux le nom du gâteau. C'est un classique. Moi, je te parle de la marque, moi. Je sais pas. Non, la marque, c'est pas Albéni. Bisclème. Franchement, elle me lâche. Albéni, ça ressemble grave. Mais ça, c'est encore plus un classique. C'est un classique de Ulker. Franchement, je sais pas. Halei. Je connais pas. Ah, les Halei. Mais oui, ta mère, elle me le dit là. Ramène-moi à Halei. Bah oui. Oh, je connaissais le nom, mais j'ai pas. Mais je suis pas spécialiste, moi, des gâteaux. Je m'en fais. Mais les Albéni sont quasiment pareils. Ouais, ça ressemble trop. Bah vraiment, franchement, donne-lui le point. Donne-lui le point, Albéni. Je lui donne le point. Bah oui. Vas-y. Oui. Et là, on va être du coup à. Bah. 62. 52, 57. Mais okay. C'est fou comment ça ressemble à un Albéni. Après, voilà, à la différence, c'est qu'il n'y a pas le truc à l'intérieur, la crème. Mais moi, je trouve ça trop bon. C'est bon. Vous aimez bien? Moi, je suis pas fan. Ok, bah, passe-le-moi. Tiens. Tu veux le mien? Parce que là, je suis en train de caler, moi. Vas-y, ouais, vas-y, moi, vas-y. Pareil. De toute façon, en termes de dégustation, on est arrivé à la fin, il reste un truc. Ok. J'ai pas de miettes sur moi. C'est un peu huileux, donc faudra faire très attention. Ah, oula, mes vêtements. Attends. Fais très attention. Un peu huileux? Ah. Wesh! C'est un salma. Un salma? C'est un salma. C'est totalement un salma. La texture tellement est pareille. Oh, mais j'aime trop ça, notre petite feuille d'algue. Du coup, vous ça pouvez y aller. Ça se trouve, il est mal fait, Ibsinet. C'est en conserve là. C'est pas ouf hein. Ah, c'est pas ouf. C'est un salma. Vous savez que je suis allé tellement loin. C'est tout à l'heure quand je suis allé au restaurant, c'était un marocain. J'ai vu avec des salmas, je dis bon bah tu sais quoi, je vais les prendre. Ah hein. Donc vous pouvez en vouloir qu'au marocain. Bon, du coup, c'est marocain ou turc? Non, mais c'est des salmas. C'est hein. Pas bon. D'accord. Attends. Pas ouf. On va terminer sur le thème gastronomie. Donc là, vous pouvez enlever vos trucs, ça y est, c'est fini. Là, je vais vous demander un truc très simple. Je vais vous demander comment on fait un mantı. Il me faut juste les ingrédients. La sauce ou toute la recette? Toute la recette. Il faut des ravioles turques, il faut du salça, de l'ail, du beurre, du paprika et du nane si tu veux en mettre, la menthe. Moi je crois que c'est bon, hein. Je lui donne le point, 5 points. On était à combien? Elle avait 5 points plus que moi, j'étais à 40. Non, 62, 62, 57, donc là c'est 62, 62. Allez. Non, mais là j'en ai un. Je sais pas qui va gagner. Là mais... j'en ai un. Oui. Il est trop simple. D'accord. Les ingrédients pour faire un bad pot. Oui, je sais, mais je vais l'oublier un truc. Farine, oui. Levure boulangère, oui. Du sel, ouais. De l'eau, ouais. Et du lait. Ouais, je pense que ça suffit pour faire un bad pot pour moi. Ça, c'est pour moi.
Pour moi, je valide le point. Ça allez, fait... on valide. Allez, bravo, 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 bravo. Je crois que ça fait 76-62. Ok. On se complète. Mets-nous dans une cuisine. Non, mais c'est incroyable, genre vraiment. Du coup, je vais vous poser une question. Faudra buzzer, il faut répondre. Ok. Comment se nomme le plat aux haricots blancs en Turquie? Fasulye. Kuru fasulye. Merci. Le point, il est donné à Asya. Du coup, ça fait 67-67. Oh, finesse, qu'on se... Une autre dernière question ultime pour la gastronomie. Ok. Comment se nomme le tagine à l'agneau au Maroc? Non, mais non, il faut le dire en arabe. Ouais. Tagine ma'abalkok walham. Bien joué. Donc, je vais donner 5 points en plus à Asya. Oui, yes. tu peux. 67. Let's go. 72. Donc, on va passer à un tout autre thème. Là, ouais. Ça va être un thème quiz culturel. Oh là là là! On va gagner. Je vais vous mettre des musiques en speed up. Yes. Et du coup, va falloir genre dès les premières notes, etc. Bah le premier qui buzz et il a trouvé, c'est mais bon. Mais je suis trop nulle. Autant dire qu'elle a gagné. T'es forte au soda. Je suis forte à la culture. Débrouille-toi. Je vais vous lancer une musique. Oui. Et vous allez devoir la reconnaître, ok? D'accord. Avec le titre ou juste le chanteur? Juste le chanteur, ça me va. Et le titre, c'est genre un point en plus, ok? Ok, vas-y. Non, deux points en plus. Alors un point si t'as la moitié du truc, deux points si t'as les deux. Voilà. Ok. Ou nous t'abandonne? Ouais. Non, c'est pas simple ce type. Je suis un malade. Kachka de Kruve. Ok. C'est pas ou nous t'abandonne? Si, c'est. Ah, si, c'est ou nous t'abandonne. Je suis un ouf, excuse-moi. Et je vais encore vous mettre une autre musique. Ouais. Turque. Donc, ça, c'est les années à peu près 2010, tu vois. C'est ok. C'est un grand buzz, tu vois. D'accord. Je sais pas si vous étiez. Si vous étiez à l'actu, vous deux. Vas-y. Ismail Yaka. Bien joué. Mais je sais pas c'est quoi le titre. C'est Baskaza. Baskaza! Non, c'est bon, je connais. Mais... 2 plus 3. Et okay. Du coup, ça fait 75. T'écoutes jamais des musiques turques? C'est vrai? Quasiment pas. Et musique marocaine? Non plus. Mais t'écoutes quoi du coup? De tout. Américaine en français. En fait, je vais écouter des musiques rebeu et des turques, mais je vais pas savoir les titres. Ah, d'accord. Si tu trouves cette musique, juste le chanteur, tu rattrapes assez, ok? Je te mets les mêmes points, tu la rattrapes. D'accord. Trop l'avantage. Sinon, deux. Parce que je sais qu'elle. Je tourne pas le droit à la paix, je tourne pas le droit au bonheur. Je sais qu'il y a moins qu'à trop. Ok, vas-y. Et laisse Léa répondre en premier. Vas-y, okay. Tu sais quoi, vas-y. Ah, mais s'il y a pas, laisse-la buzzer. Hein. Si j'ai pas buzz, vas-y, vas-y, t'inquiète. Le chanteur. En étant hyper aigu, Djeribo. Bien joué. Oh, bah attends, classique, mais oui. En fait, c'est hyper aigu, du coup, j'ai pas le. Ouais. C'est pour ça que c'est en speed up. Ouais. Tu vois, c'est pour pas tricher. Donc, elle a rattrapé Asya. Ok, vas-y, pas de problème. 75. Ouais, c'est bien. Ok. Quand même, Ibo. Attends. En fait, c'est quoi? C'est même pas sa voix qui m'a rappelé, c'est sa manière de chanter. Du coup, on va passer au thème marocain. Allez. Là, franchement, j'étais trop gentil. Si moi, je connais, vous connaissez. Allez. Je suis pas sûre. Donc là, c'est une musique que vous connaissez tous normalement. 1, 2, 3. Je connais, mais attends, je connais pas. Ah ouais? Ça donne envie de danser. Je connais la musique, mais je connais pas le. Tu vois, c'est ce que je t'ai dit. Des fois, tu vas connaître les sons, mais tu connais pas Finesse, les chanteurs. Attends, je sais qu'il y a un des chanteurs. C'est Al Amjad. Bien joué. Déjà, t'as un point. Le titre. Attends. Mais je connais la musique. Moi, je l'ai pas du tout. Je suis trop nulle. Jahtani. Non. C'est la Wajja. La Jahtani. Là ouais, je crois le titre, un truc comme ça. Enfin bref, ça doit être un truc comme ça. Vas-y, moi je te mets les deux points. Ça, let's go. Et c'est quoi le deuxième chanteur, comment il s'appelle? Zouhir. Ah ça, Zouhir. Pff, on va passer sur un son qui vous correspond totalement. Je vous dis pas pourquoi, mais ça, si vous l'avez pas, franchement, vous êtes des fausses marocaines turques. Genre, vous êtes pas validées marocaines turques, ok? Mais il y a moyen, je suis pas validée. Allez, voyons. Ah, elle est trop forte. Distinct. Oui, c'est distinct. Le attends. Le titre. Vas-y, mais. Bébé. C'est bébé. Ah, petit. Elle l'a eu en premier. Mais je connais le son, je connais le son. 77-77. En vrai, vous êtes validé en culture. Ce son, c'est votre hymne national. C'est votre hymne national, en vrai. On s'invente un drapeau. Ouais. Celui-ci, il est trop facile. Si je le connais, Léa, t'es obligé de le connaître. Ok. Ok. Vas-y. Je te mets pas la pression, mais tu dois le connaître. Un peu quand même, hein. Ah, c'est quoi? Je connais la musique, mais va sur un autre titre. Je sais pas. Safi, Scott. Je sais pas du tout le titre. Safi, c'est bon, c'est clair, oui, c'est net. Oui, mais c'est qui le chanteur? Oh, j'ai Esmael Mnawar. Bien joué. T'es trop chaud. Je l'aurais jamais eu. Tu connais pas? Mais la musique, je la connais, mais jamais de la vie, j'ai sorti un titre. Ouais, titres, tu vois, c'est chaud. C'est trop compliqué. Ma mère, elle écoute trop ça. Elle aime trop Esmael Mnawar, donc ça, c'est merci maman. Dédicace à toi. 77-79. Donc 79 pour Asya, 77 pour Léa. Franchement, ça se tape de ouf, genre. Ça va. C'est choquant. Bref, vous me choquez là pour l'instant. Ok, donc là, on va finir par des questions de culture générale. D'accord. C'est une petite question qui est difficile, mais je vous ai vu à fond
en 2022. Et là, je vous posais la question de me citer un maximum de joueurs de foot qui étaient présents dans le terrain contre la France en 2022. J'ai trop honte. Attends, mais qui? Un maximum de joueurs? Un maximum, celui qui en a cité deux et l'autre qui en a cité un. Mais Maroc, tu as pris? Au Maroc face à la France en 2022. Oui, c'était Maroc. Ok, vas-y. Celui qui buzz. Combien? 5? Non, un maximum. Par exemple, si t'en as fait deux, Léa, elle en a donné que un, t'as gagné. Alors, Ziyech, Bono. J'espère que tu vas pas dire tout ce que j'ai dans la tête. L'autre là, qui est au Paris Saint-Germain là, Hakimi. Amal, un truc comme ça là, un truc comme ça avec un R. Je peux oublier son nom. Et il y en a un dernier. Oh, j'ai trop honte. Bah, comment ça, combien, je... 4, je crois. Ok. 4, Léa, toi, tu peux partir, tu penses? Bah, en fait, elle a cité tous ceux que j'ai dans la tête et les deux autres, j'ai les mêmes en tête, sauf que je sais pas c'est quoi. Vous savez quoi? Je crois que s'appelle Sofiane. Boufal. Ah, purée, voilà, c'était ça que je cherchais moi aussi. Pourquoi tu dis les noms? Boufal. Franchement, c'était ceux ça que va. Je connaissais. Ça s'appelle Sofiane. Ouais. C'était j'avais le Sofiane, mais j'avais pas le nom. Moi, c'est les seuls que je connais. Franchement, vous en avez sorti beaucoup, je suis fier de mais vous. Mais il y en a qui sont connus, genre l'autre là, comment il s'appelle, Crâne Chauve? Amrabat. Voilà, j'ai dit Amal. Je l'aurais pas. Amrabat. Ben oui. Je l'aurais pas eu. Mais tous ceux que t'as cités, ouais. Mais il y en a un autre hyper. Le. Qui est très fut-fut là. Moi, c'est tout ce que je connais. Avec. Il a une petite afro, on dirait. Oui. Non. En tout cas, là pour l'instant, pour moi, vous en avez sorti beaucoup. Même qui s'est marié là récemment. Oui, y a pas de souci. Mais je veux le nom. Vous en avez sorti beaucoup. Oui. Là, je suis fier de vous, donc je vous donne les points à vous deux. Mais c'est elle qui a fait tout le taf. Hein. C'est pas grave. Mais il veut me faire. Il veut me faire. Avec 79, 77. Oui. Je donne 5 points à chacun. D'accord, allez. Ça fait que Asia garde encore la tête. Allez, ça marche, go. Et j'ai oublié. Mais il y en a, tu les as, genre tu les as au bout de la langue. Ouais. Moi, pas du tout. Mais je vois grave. Genre, il y en a, je les avais pas. T'as regardé les matchs? Oui, mais il y en a, je les avais pas. Y en a, bah, en plus, y en a. J'étais à Dubaï, donc tous les soirs, c'était resto. Bah oui ouais, ah, j'ai tellement sûr. Honte. J'ai trop... Franchement, j'ai... Désolée. Ça veut dire vous avez regardé, mais vraiment en connaissant un peu les joueurs. Ça oui, va, tu vois, oui. Tu ouais, pas, ouais. Pas au courant. Non, c'est pas tu te poses et tu dis... Hey, voilà. Allez, le Maroc, tu vois. Ouais, ouais, c'est ça. C'est-à-dire que quand même, elles sont très fières du Maroc et de l'équipe nationale du Maroc. Je vais vous poser une question. Oui. Celle-là, c'est vraiment spécial pour le papa d'Asia et le papa de Léa. Oh là là là. Si vous réussissez pas, vous savez que vous allez finir à la porte. Non. Là, il faut appuyer sur le buzzer. D'accord. Comment se nomme l'entreprise de la nouvelle voiture électrique turque? Enfin, genre, la marque, vas-y. Bah, Léa. Tog. Bien joué. Ah, c'est juste ça? Ouais. Cherchez le nom de... Je regardais ça juste hier soir, s'il te plaît, je me battais avec mon père. Papa, je suis désolée, mais... Papa, je connaissais, tu sais bon que je connais, tu sais que je connais. C'est une question à 5 points, donc Léa prend le dessus. Papa, s'il te plaît, je te jure, je connaissais. Mais je t'ai dit que je voulais l'acheter en plus. Non, je te jure, je vais l'acheter, Inch'Allah. Une autre question. Oui. Celle-là, c'est pour vos mamans. Allez. Comment s'appellent les habitants de Oujda en marocain? Oujda, oui. Non. Oh, je connais pas du tout. Hein. Oujdané. Les Oujdettes? Non. Oujdat? Non. De ce que Google m'a dit, c'est Oujdi. Ah, peut-être, hein, je sais pas. C'est ça. Après, les Marocains, si je me trompe, dites-moi la vérité. Ouais, mais de ce que j'ai lu, c'est Oujdi. Je connaissais pas. Bah, moins 5 pour nous deux, hein. Franchement, je le connaissais pas du tout. Vous avez eu 0 point, donc on reste sur le total de 87 pour Léa, 84 pour Asia. Maman, elle me fâchera pas pour ça. Moi non plus. Tant que je dis Kazaoui, ça lui va. Je suis surprise. Celle-là, elle est vraiment pour vos papas. Citez-moi. Tu peux pas dire nos mères, parce que nos pères, ils vont. Oui, ils vont nous éclater. Mon truc, on a des. Ils sont frères ou quoi, genre, ouais, je crois. Vos papas. Citez-moi. Oui. 3 présidents de la Turquie. Süleyman Demirel, Erdogan. Petit indice, le premier. Président de la Turquie. Ah, t'as turc. Bien joué. Ouah, quand j'ai pu zapper ça. Non, premier. Tu m'as aidé, là. Ouais, ça répond. Ok. C'est la dernière question. Okay. La dernière question ultime. Donc, celui qui répond. Oui. Gagne la partie. Ouah. Wow. C'est pour ça. Dans tous les cas. Non, dans tous les cas, pourquoi je dis ça? Parce que Léa a 87. Oui. Et toi, tu as 89. Ouais. Celui qui gagne, il gagne 5 points. Oui, dans tous les cas. Oh, c'est horrible. Franchement, c'est horrible. Dans tous les cas. C'est injuste. Préparez-vous. Qui sera okay. La meilleure turque marocaine? Ça peut faire okay. Un putain de titre. Oui, franchement, mais c'est ça. Allez, on va mettre ça. Let's go. Dernière question. Quel est le turc qui a le plus de followers sur Instagram? Pardon? Vous les connaissez? C'est entre deux cuistots. Jason Aburak. Ouais. Bien joué. Ouais, c'était sûr. Elle a trop de chance parce que. Une chance sur deux. Parce que Jason Eburak vient de passer devant nous, c'est tout juste. C'est vrai? Non, ouais. Mais c'était chaud. C'était chaud. Les deux, ils sont hyper connus. Je genre. Pensais qu'il était beaucoup plus Burak que Nasrat. En fait, j'aurais pas pensé. Ah ben moi, je pensais l'inverse. Ah ouais? Mais je me suis dit, vu qu'il a ouvert son nouveau resto. L'un actuellement à 53 millions, l'autre à 54 millions. Purée, c'est sérieux. Mais qui a 54? Oui, Jason Eburak. Mais il avait genre 10-15 millions d'abonnés en moins, genre il y a un an, tu vois. Moi, je croyais qu'il était bien au-dessus. Non, nous pour toi, Nusret, il était bien au-dessus? Non, bien plus bas. Ah. T'es chaud? Meilleur truc marocain, là, du
Non, honnêtement, je prends ce prix avec plaisir, mais je reste ultra fair play dans le sens où, quand même, ça se tape. Genre, t'as vu, on se complète de dingue. C'est ça, en fait, c'est qu'on se complète. Mais à mort, genre, il y avait des trucs que j'avais pas du tout. Honnêtement, je trouve que si c'est parti jusqu'à la finale, ça veut dire que c'est la même chose en vrai. Mais c'est ça, parce que si on aurait un gros écart, bah oui, là, on aurait dit, bah oui, il y en a une, elle a vraiment pas de connaissances et l'autre, elle en a beaucoup plus, tu vois. Mais là, on se tape, ça veut dire, il y a des trucs, franchement, je t'avoue, je l'aurais jamais, tu vois. Moi non plus. Genre, genre, musicalement parlant, je suis éclatée. Non, mais tu rien sur la bouffe, tu m'as. Ouh. Elle m'a dépassée, tu vois. Non, c'est. Franchement, moi je trouve pour moi on est kiff quand même. Franchement, on est chaud. Hein. Je prends la. Oh, je suis plutôt fière de nous. Donc si vous nous critiquez, je vous démarre. Non, avant, je vous envoie cette vidéo. Vous avez pas le droit. Non, mais non, là, non. On va en avoir des critiques, hein. En plus. Mmh. Elle connaît pas Weshday, oui. C'est. Désolée, même pas. Même ma mère, elle sait pas. Non, mais. En tout cas. D'ailleurs, attends, j'ai envie d'appeler ma mère pour savoir si elle sait. Attendez. Attends, je vais appeler la mienne. Vas-y. Attends, je veux dire, comment tu dis les habitants de Oujda, genre? Maman. Bon, peut-être elle va te rappeler. Moi, j'appelle ma mère pour l'instant. Maman. Allô. Allô, maman? Attends. Oui. Tu dormais? Oui. Ah, ok, pardon. En fait, là, je t'explique, t'es en tournage, d'accord? Oui. Ok, j'ai une question pour toi. Comment on les appelle les habitants de Oujda? Les Oujdin. T'as vu? T'as vu, c'est bien. Ouais. Comment elle a dit? Comment t'as dit? Les Oujdin. Ah, peut-être c'est ça, en vrai. Peut-être c'est ça. Mais t'as vu, elle a dit il y a un W. Ouais, moi, je crois que c'est Oujdin, non? Ouais, peut-être. Ok, bah trop bien. Ok, merci maman. Pour moi c'est ça, hein. Après peut-être que je me trompe, hein, mais c'est les Oujdin. Bah je vais demander à ma mère. Allez, demande à sa mère à elle. Merci maman. Allez, de rien, bisous. À tout à l'heure, ciao. Bon courage à vous. Merci. Elle est trop mignonne. Elle est trop chaud. Les Oujdin. Ok, bon ça okay, va. C'est pas grave, ok. Bon, conclusion. Qui pour vous, selon les réponses, parce que tu vois, j'ai peut-être eu plus de chance ou t'as eu plus de chance sur des choses. Est-ce que vous pensez objectivement qui est la meilleure turco-marocaine ou bien si vous pensez que nous deux on se débrouille bien? Moi je pense que c'est plutôt nous deux. Ouais, je pense qu'on fait l'affaire. Hein. Oui, mmh. On se complète. Complètement, je suis d'accord. En vrai, genre, pour moi, on va pas rentrer dans le débat, mais tu vois, tu peux être marocain ou bien turc et pas connaître des choses de ton propre pays, tu vois. Oui. Même si t'es 100%, tu vois ce que je veux dire. Donc je nous excuse sur ça. Oui, je suis d'accord. Mais n'importe qui en vrai, on vit en France, donc c'est logique. Oui. On connaît pas notre pays à 100%, c'était non. Pas possible. Alors là, en plus, double culture, bah encore moins. Je peux te le dire. Bref. En tout cas, la voix vous applaudit parce que vous avez réussi à répondre à toutes mes questions. Vu qu'on a script story. Du coup, bah, je vous applaudis. Moi, en tant que turc, en tout cas, je vous félicite. Merci. Et bravo à vous les filles, vous avez été super. Merci. Et puis voilà, je vous laisse conclure la vidéo. Merci beaucoup. Donc, on termine avec cette vidéo. Léa, je te remercie grave d'être venue encore une fois sur ma chaîne. Toujours, merci. Je m'appelle, je suis là. Non, mais ça fait trop plaisir, honnêtement. Et si vous voulez la revoir, n'hésitez pas à me le dire et on essaiera de trouver des vidéos assez sympatoches. Et puis, bon, on se dit à bientôt. Bisous. Ciao.